Cela fait une vingtaine d'années que Datang est devenue la ville de la chaussette. C'est quelque chose qui a commencé un peu par hasard, mais ensuite les pouvoirs publics chinois ont fortement encouragé la tendance. Le patron, oncle de M. Chou. La politique du gouvernement est de favoriser l'implantation des usines. Nous ne payons presque pas de taxes et l'électricité n'est pas trop chère. Par contre, ils ont commencé à mettre en place une réglementation sociale. Ce qui rend l'usine du monde ultra compétitive, c'est évidemment le bas niveau des salaires. Ici, les ouvriers travaillent à la pièce. Ils gagnent entre 150 et 200 euros par mois. En plus, l'usine fournit la nourriture et le logement. Aujourd'hui, les salaires augmentent chaque année parce que le niveau de vie augmente. La plupart des ouvriers sont d'anciens paysans. Et c'est l'usine qui les a fait venir tout spécialement des régions éloignées du centre de la Chine. Les ouvriers ne sont pas logés à côté de l'usine, mais dans celle-ci. Ici, c'est le logement de nos ouvriers. Juste en dessous, c'est là qu'on teint les chaussettes. Il faut donc passer par l'atelier de teinture pour accéder au logement. Nous allons voir un couple d'ouvriers choisis tout spécialement pour nous par la direction. Voici le couloir des couples avec enfants, une pièce unique par famille. Bonjour. Venez, venez. Voilà. Comme vous le voyez, le cadre est très correct. L'usine nous fournit le logement et la nourriture, chaises, tables. On aime bien habiter ici. L'avantage, c'est qu'on est très proche de l'atelier. Et en plus, c'est gratuit. On ne paye rien. Dans notre village, à la campagne, on était très pauvres. Ici, on gagne bien. On travaille 6 jours par semaine, un seul jour de repos. S'il y a beaucoup de travail, on peut travailler plus, bien sûr. Mais alors, on gagne plus. La cuisine, elle, n'est pas à côté des chambres, mais derrière l'atelier de teinture, par lequel il faut donc repasser pour y accéder. Le vacarme est assourdissant car on est juste au-dessus des machines de tissage. C'est une cuisine semi-communautaire où chaque famille a son box numéroté. Voici notre cuisine. La numéro 12 est la nôtre. Toutes nos casseroles sont là-dedans. On ne rentre à la maison ou au village qu'une fois par an.